Enfin, une fois encore, nous nous tournons vers toi pour que tu nous obtiennes du Seigneur les grâces dont nous avons grand besoin. Nous te prions spécialement pour nos malades. Nous te prions pour les personnes découragées, en prison. Nous te prions pour les personnes désespérées, seules, isolées, cruellement seules. Tu as toujours été notre bon et fidèle protecteur, le saint patron de notre paroisse. Accueille notre demande pour que grâce à ton intercession, Dieu exauce notre prière pour sa plus grande gloire. Que le Seigneur augmente notre foi, qu'il nous garde le cœur ouvert et miséricordieux. Nous te confions aussi tout notre village, tous ceux qui ont responsabilité dans notre village. Soutiens-les, fortifie-les et mets sur leur chemin des personnes qui soient de vrais soutiens. Seigneur, exauce notre prière par saint Antoine, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, source de grâce et couronne des saints, nous te présentons nos objets, belles et bénies, et par l'intercession de saint Antoine de Padoue, accorde-nous de savoir les utiliser pour notre bien et d'avoir le courage d'utiliser celui dont nous invoquons la protection sur cette terre dans l'espérance de le rejoindre au ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chaque année, et nous continuons ce vœu, et cette messe sera célébrée le samedi 26 juillet à 18h30. Vous êtes bien sûr cordialement invité. Maintenant, nous reprenons le chant de saint Antoine et nous allons entrer dans l'église. Viva Sant'Antonio! Viva Sant'Antonio! Viva Sant'Antonio! Nous t'implorons, ô Crémo de Dieu, donne à notre cœur tes vertus, pour que ce cœur pur et fidèle soit le Saint-Père de Jésus. Thank you.
Voilà, c'est...